on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui comme vous l'avez vu c'est un vlog pour le challenge du French Readathon, donc Summer Edition 2018. Aujourd'hui est le premier jour du challenge, nous sommes le lundi 13 août et du coup depuis ce matin j'ai commencé à lire avec mon premier livre qui est Les Bonnes Chunelles, donc le tome 1 Allégeance d'Oxana Oppos édition Rebelle. Vous avez dû le voir dans les quelques images que j'ai faites juste avant, j'ai commencé ce roman, j'ai lu 100 pages, il est actuellement 15h, donc je vais continuer ce roman cet après-midi. J'ai finalement lu simplement ce matin, mais je n'ai pas pu vous vloguer tant que ça face caméra puisqu'il y a énormément de bruit, c'est-à-dire que j'ai un voisin qui a décidé de tondre la pelouse depuis ce matin 9h et qui n'a pas arrêté depuis, et du coup j'ai énormément de mal à vous filmer sans qu'il y ait beaucoup de bruit en fond. Du coup voilà, j'ai commencé ce roman, c'est plutôt intéressant pour le moment, même si j'ai eu du mal avec le personnage principal de Krista, qui vu que c'est une jeune arienne, hein, comme je vous le rappelle, ce roman, nous sommes en 2145, donc c'est-à-dire 200 ans après la victoire d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Il a donc créé sa race arienne, il a créé Germania, donc qui est anciennement Berlin en Allemagne, et on a fait une ville pour les Aryens, un pays, et finalement les autres races, donc les juifs, les handicapés, voilà, tous ceux qui étaient persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale ont été un peu éradiqués du monde tout simplement, et du coup nous on suit Krista qui est une jeune fille qui a 16 ans et qui du coup va être embarquée dans toute une histoire qui concerne ces gens qui étaient persécutés durant la Seconde Guerre mondiale. Alors le contexte est très intéressant, l'univers l'est beaucoup, l'intrigue est plutôt sympa pour le moment, mais le seul problème c'est vraiment le personnage de Krista qui, vu qu'elle est une jeune arienne, elle a vécu et elle a toujours vécu dans une société où on lui a enseigné à faire comme ça parce que, enfin, on lui a donné toutes les idées nazies, etc. Et du coup, j'ai du mal avec ce personnage parce que du coup, elle est contraire à toutes mes idées que j'ai au quotidien. Du coup, c'est intéressant, mais à la fois, c'est compliqué de s'attacher à ce personnage qui a des opinions aussi extrémistes sur l'humain et d'autres choses. Du coup pour l'instant c'est quand même une bonne lecture, c'est un livre qui fait presque 300 pages, il fait 290 pages, je pense encore lire 100 pages dans la journée, je ne sais pas si je le finirai, je vais essayer. Parce que du coup j'ai encore une chronique à publier sur A Dark Shade of Magic de V. Schwab, ainsi que la vidéo qui va avec, donc ma chronique vidéo pour le plib, donc déjà ça va être à faire avant la fin de la journée, et j'ai prévu avec mes sœurs et ma mère de me regarder deux épisodes de Flash parce qu'on continue la saison 4 cet été. Voilà, donc normalement je devrais lire une centaine de pages encore de ce bouquin aujourd'hui, et je pense vous reprendre demain pour un autre update, hein. Je vais pas vous reprendre tous les jours pour dire que j'ai lu 3 pages, ça sert pas à grand chose, mais promis je vous reprends vite, voilà, je vous reprendrai demain, même si demain je travaille, j'essaierai de vous reprendre au moins le matin. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le mardi 14 août et il est environ, ouais il est 20h10. Du coup je vous retrouve en fin de journée pour ce mardi parce que j'ai travaillé de midi à 19h. Du coup j'ai pas vu vous prendre avant. Du coup hier je vous laissais avec le fait que j'étais en train de lire le tome 1 de Lebenstunnel, donc d'Oxana Hope. J'ai fini ce roman dans la journée puisque vu que je travaille en médiathèque, il y a très peu de monde qui va à la médiathèque durant le mois de juillet et d'août, j'ai le temps de lire quand il n'y a personne. Du coup j'ai fini Les Bunch Tunnels d'Oxana Hope, ça a été une très bonne lecture, j'ai plutôt bien apprécié, je pense que c'est un roman pour lequel je mettrai 4/5. J'ai hâte de vous en parler de manière un peu plus développée dans ma vidéo parce que évidemment c'est un livre qui fait partie du plib, donc je vous ferai une vidéo juste sur ce roman, mais en tout cas voilà, je suis pas déçue, même si je pense pas que c'est mon préféré de la sélection du plib, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'avoue que j'ai plutôt envie de lire la suite. C'est une trilogie et j'aime beaucoup les idées qui sont développées à la fin du roman parce que la fin de ce premier tome est assez explosive en retournement de situation, en surprise,
et en révélation. Et du coup, bah, j'ai bien envie de continuer, même si, on va dire, la moitié, voire les deux tiers du roman sont assez classiques dans le sens un peu dystopie, science-fiction. Mais la fin était quand même géniale, elle a remonté mon avis sur ce bouquin. Donc du coup, ouais, je serais bien partante pour lire la suite. Du coup, pour le moment, je ne sais pas du tout ce que je vais commencer à lire. Je vais surtout prendre une douche, manger, regarder deux épisodes de Flash comme hier soir avec ma mère et mes sœurs. Et ensuite, je choisirai ma deuxième lecture du Frenchie d'automne, donc le soir du deuxième jour. Je ne travaille pas demain, donc vous aurez peut-être un peu plus de vidéos. Du coup, et bah, j'ai hâte de commencer ma deuxième lecture. En tout cas, je suis ravie de la première. Du coup, moi, je vous retrouve demain, voilà, parce que je ne pense pas faire un update ce soir pour avoir lu 10 pages. Du coup, je vous retrouve demain. Salut tout le monde, on se retrouve, on est le mercredi 15 août, donc jour férié, donc je ne travaille pas et j'ai pu passer une bonne partie de ma journée à lire. Je pense que vous l'avez vu dans les clip précédent. J'ai commencé hier soir brièvement et surtout aujourd'hui Nos vies en mille morceaux de Hayley Lang, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et qui sort demain en fait, pendant que je vous filme ce vlog. Du coup, j'aimerais bien le lire aujourd'hui et pouvoir écrire ma chronique et la publier demain. Donc pour Gallimard, vu que c'est un service presse, ça pourrait être vraiment pas mal. Pour le moment, c'est sympa, c'est-à-dire que, enfin, c'est sympa, c'est pas forcément le bon terme, c'est bien, voilà, je passe un bon moment, mais sincèrement, il n'y a rien de dingue. On va suivre en fait Griff et Dylan, qui sont deux frères qui ont 15 et 13 ans, et qui sont victimes d'un accident de voiture avec leurs parents. Eux vivent encore, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à l'hôpital avec seulement quelques blessures, mais leurs parents, eux, meurent dans l'accident. Du coup, ils se retrouvent en plein deuil et orphelins. Et du coup, on va suivre ces deux personnages dans leur reconstruction, et on suit plus principalement le personnage de Dylan, 15 ans, qui du coup protège à présent son frère, et la seule famille qui lui reste. Ils ont très peu de famille, ils ont beaucoup déménagé avec leurs parents, ils ont fait les quatre coins du globe, et ils se retrouvent un peu perdus en fait sans leurs parents, ce qui est normal. Et du coup, bah, il se passe pas grand chose dans cette histoire. J'en suis à 157 pages, donc chapitre 14, et sincèrement, c'est assez vide niveau intrigue. J'ai du mal à accrocher avec les personnages, enfin, même si leur situation est touchante, tu comprends qu'ils sont en deuil, tu comprends que c'est pas simple, mais pour autant c'est compliqué, je trouve, d'accrocher avec ces personnages. Donc bah, pour le moment, je continue ma lecture, ça se lit extrêmement vite. La plume de l'auteur est assez simple, même si la traduction est de temps en temps un peu étrange. Alors je sais pas si c'est vraiment ce que voulait dire l'autrice, ou si c'est la traduction qui fait ça, mais de temps en temps l'écriture est un peu bizarre. Je comprends pas forcément tout, mais en tout cas c'est sympa, voilà. Mais c'est pas la lecture du siècle, ni le contemporain que je vais retenir. Mais du coup, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Donc du coup, il me reste 170 pages, je crois, dans ce bouquin, donc c'est largement faisable. Cet après-midi là, j'ai déjà publié ma vidéo concours des 2000 abonnés, donc si vous n'y avez toujours pas participé et que ça vous tente, n'hésitez pas, parce que quand le vlog sera publié, la vidéo concours sera toujours ouverte. Donc j'espère déjà que le concours vous plaira. Pour le moment, voilà, j'ai fait ça, et après je vais sûrement lire quelques pages de How to Become a Straight A Student, donc qui est ma lecture en cours style développement personnel pour les études. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. C'est un livre dont je lis un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et là j'avoue que j'ai bien envie de me lire une bonne petite partie de ce bouquin. Ça va me faire une pause avec Nos vies en mille morceaux, et ensuite je reprendrai ma lecture.
Cet après-midi, je vais au cinéma en fin d'après-midi vers 18h. Je vais voir Hôtel Transylvanie 3. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu par rapport à mes updates séries et films, mais ma mère et mes sœurs et moi, nous sommes de grandes fans de films d'animation. Du coup, bon, les Disney en général sont vus, hein, y a pas de problème. Mais en général, on aime bien aller voir des dessins animés. Alors, on ne va pas voir que ça, mais on en a vu quand même une grande partie. Et du coup, bah, Hôtel Transylvanie, c'est quand même des films qui nous ont vraiment beaucoup plu, des films d'animation très drôles, très bien faits. Et du coup, bah, on a hâte d'aller voir le 3. Donc, c'était soit ça, soit Mamma Mia 2. Mais malheureusement, il n'y a plus de place ni de séance pour ce film parce qu'on a attendu un peu trop longtemps. Mais pour le moment, ça va être sympa. Ce genre de film, ça passe tout seul, tu passes un très bon moment, c'est drôle, voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont prévu pour ce troisième opus, voilà, et en fin de soirée, enfin durant la soirée, je vais regarder deux épisodes de Flash avec ma mère et mes sœurs, et ensuite je reprendrai ma lecture. Je pense, et en tout cas je l'espère, finir Nos vies en mille morceaux ce soir pour en commencer un autre demain. Vu que je ne travaille pas, je pourrais avancer un maximum dans un autre livre et peut-être lire même demain un livre en entier dans la journée, ce qui serait super bien. On serait déjà à 3 livres en 4 jours. Ce qui serait bien, mais bon, je ne m'avance pas trop, on verra bien. Voilà, donc du coup, je vous fais quelques clips dans la journée. Je pense que je vous retrouverai pour vous faire un update demain, à part si je finis dans la journée Nos vies en mille morceaux. On est le jeudi 16 août et il est 16h. Je vous fais mon petit update de la journée. Je n'ai pas filmé grand chose ces derniers jours, je suis désolée, mais je fais pas forcément des choses très intéressantes et je veux pas vous mettre des clips pour le vlog qui ne sont pas forcément sympas. Du coup, là aujourd'hui, en ce jeudi, j'ai enfin terminé ma deuxième lecture du challenge qui était donc Nos vies en mille morceaux de Hayley Lang aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui paraît aujourd'hui en librairie. C'est pour ça que j'ai décidé, vu que je venais de le terminer, d'écrire mon brouillon de chronique et d'ensuite publier ma chronique sur le blog de Gallimard Jeunesse, mais aussi sur mon blog juste après. Comme ça, j'aurai au moins la chronique à jour, à l'instar de la vidéo. Du coup, voilà, c'était une lecture sympa. C'était plutôt intéressant. Malheureusement, j'ai découvert la révélation, on va dire, du bouquin à la moitié du livre. Du coup, bah, ça m'a un peu ennuyée. Déjà, de base, j'étais un peu ennuyée par l'intrigue. Du coup, ça n'a fait que continuer au fur et à mesure du bouquin. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une bonne lecture, c'était sympa, voilà, c'est un bouquin auquel je vais donner un 3,5 sur 5. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment, même si ça n'avait rien de très original au niveau de l'intrigue, et j'ai pas forcément accroché au personnage. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne lecture. Du coup, je vais commencer mon troisième livre en fin de journée, parce que là, j'ai plein de choses à faire. J'ai déjà publié une photo sur Instagram et écrit deux brouillons de chronique pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube, donc pour Lebenstunnel et pour Sirius de Stéphane Servant. Et du coup, là, il me reste du coup, bah, le brouillon pour Nos vies en mille morceaux à écrire. Je vais publier, là je vais écrire et publier mon avis sur Le souffle de Midas, donc les chroniques homérides d'Alison Germain, pour le prix littéraire de l'imaginaire. Et je vais aussi, dans la même foulée, publier ma vidéo pour ce roman, vu que ce sont des vidéos individuelles, je pense qu'à force vous savez ce que ça veut dire. Voilà, donc j'ai encore pas mal de choses à faire, donc deux chroniques à publier, une vidéo, tout ça avec tous les réseaux sociaux. Je continue surveiller un peu le concours, voir vos participations. Vous êtes énormément à m'avoir envoyé des messages, des commentaires, vous êtes beaucoup à participer. Là, ça fait juste une journée que le concours est en route et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir participé au concours, donc je vous remercie énormément, ça me fait super plaisir que ça vous fasse plaisir. Voilà, donc du coup, pour le moment, c'est déjà pas mal tout ce que j'ai à faire. Je vous reprendrai, je vais essayer de faire quelques clips dans la journée et je vous reprendrai sûrement demain matin. Voilà pour un nouvel update. Du coup, à tout à l'heure. Re tout le monde, on est toujours le jeudi. Je viens de finir toutes les tâches que j'avais à faire cet après-midi. Donc j'ai une vidéo qui est publiée sur Le souffle de Midas ainsi que la chronique sur mon blog. La chronique de Nos vies en mille morceaux est publiée sur le blog le jour de sa sortie. J'ai publié une photo Instagram et j'ai rattrapé tous les brouillons en retard de chronique que je devais faire parce que je n'écris pas mes chroniques directement sur l'ordinateur et je les publie d'un coup. Je publie mon brouillon et quand j'ai le temps, je planifie pour écrire au propre ma chronique et ensuite la publier. Du coup voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Je suis ravie parce que j'étais super productive cet après-midi.
Du coup, là, je vais me regarder quelques vidéos YouTube. Ensuite, je vais aller faire un peu de cuisine. Je vais faire un banana bread. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gâteau à la banane et au chocolat qui me servira du coup pour mon petit déjeuner. Voilà. Et ensuite, ce soir, bah, du coup, je vais essayer de lire un petit peu avant de regarder Secret d'Histoire sur la 2 avec Stéphane Bern. Donc, ce soir, c'est Secret d'Histoire sur Agatha Christie. Donc, ça va être super intéressant. Voilà. Et ensuite, après Secret d'Histoire, je pense que je rebouquinerai un petit peu. Et je pense pas, du coup, vous reprendre dans la journée. Mais je vais essayer de faire quelques petits clics. Du coup, on se retrouve demain. On se retrouve pour le nouvel update du vendredi 17 août, il est bientôt 11h du matin bien sûr. Hier je vous ai montré dans un clip ma nouvelle lecture, ma troisième lecture du challenge qui est Marquise de Joanne Richoux et non Trichoux comme j'ai pu le dire dans toutes les vidéos précédentes. Donc Joanne Richoux aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Je vous rappelle un peu le pitch de départ, c'est-à-dire qu'on va suivre Charlotte et Billy qui sont meilleurs amis slash couple, hein, ils savent pas trop, hein, ils sont un peu déterminés sur la chose. Ils vont participer à un casting pour rentrer dans une société secrète en Écosse où les gens qui vivent dans cette société secrète vivent comme au temps de Louis XIV et sont dirigés par un mystérieux marquis. Voilà, donc ils sont une centaine à être sélectionnés et 8 vont faire partie de cette nouvelle société secrète parmi des gens lambda mais qui ont du talent. Voilà, donc du coup on va suivre ces deux personnages qui j'imagine vont rentrer dans cette société secrète. J'ai lu pour le moment hier soir, j'ai eu le temps de lire 50 pages, donc c'est 25, c'est un quart pour un quart du roman, donc 25% puisqu'il fait que 230 pages, je crois, un truc comme ça, donc c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, elle est très explosive, très humoristique et fun à lire, c'est un peu décalé. Le personnage principal de Charlotte est extrêmement sarcastique, du coup c'est assez sympa à lire, ça fait très ado de nos jours en fait, je trouve ça très réaliste par rapport à certains ados. Voilà, avec Billy, son copain, ils fument, ils ont décidé de fuguer de leur patelin un peu pourri en pleine campagne pour vivre un peu la belle vie à Paris. Ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes, ils font des fêtes, ils se prennent des cuites. Je trouve que c'est pour une fois, on va dire, un portrait peut-être un peu plus réaliste des jeunes de nos jours. Alors c'est vrai qu'en général je lis des romans fantastiques, fantasy, etc. Donc ça montre pas forcément la réalité, mais là on est sur un roman, je sais pas trop comment on peut appeler ça, un roman d'aventure, quelque chose comme ça, et pourtant ça reste intéressant, et même si ce sont des personnages auxquels je ne m'identifie pas, je les trouve plutôt sympas à suivre pour le moment. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Alors aujourd'hui ça va être très compliqué pour filmer le vlog, c'est-à-dire que je travaille toute cet après-midi. Du coup là il est 11h, je mange dans une demi-heure et ensuite je pars parce que j'ai environ 50 minutes de trajet aller, 50 minutes de trajet retour. Donc du coup ça va me faire presque une heure et demie, enfin un peu plus d'une heure et demie pour bouquiner, donc ça c'est pas mal. Peut-être que j'aurai le temps de bouquiner dans l'après-midi si j'ai une pause, etc. Ou ça dépend où je serai mise, où je vais travailler exactement à la médiathèque. Voilà, et du coup ce soir ça va, je ne serai pas chez moi. Voilà, donc du coup on verra bien si j'arrive. Normalement je devrais réussir à lire, mais alors à vlogger ça sera une grande question. Voilà, donc pour le moment je lis ce roman, ça me plaît plutôt bien. J'espère quand même le finir aujourd'hui parce que du coup il me reste environ 175 pages à lire, un truc comme ça, enfin 180 pages, ce qui est totalement faisable aujourd'hui, surtout que ça se lit très très bien et que j'aime beaucoup pour le moment. En tout cas je suis très intriguée de lire la suite. Voilà, et du coup bah après je prendrai sûrement deux autres livres pour le week-end, vu que je ne serai pas chez moi. Je vais sûrement prendre Les Colombes du Roi Soleil, le tome 9 de Anne-Marie Despladuc, parce que je sais que c'est un roman que je vais lire assez rapidement pour le challenge et que ça fera mon quatrième livre. Et ensuite je vais prendre Invisibilité de Andrea Crespi,
Kremer et David Levithan. Parce que c'est de la romance, ça se lit assez rapidement, donc si j'arrive à lire rapidement Les Colombes du Roi Soleil, je pourrais enchaîner sur Invisibilité et peut-être finir un cinquième livre dans la semaine. Et j'emporterai aussi How to Become a Student, je vous en ai déjà parlé, de Cal Newport, qui est un livre sur les études, développement personnel, etc., avec des conseils pour mieux bosser, réussir ses examens à la fac, etc. Donc c'est un livre que je trouve super intéressant, il me reste une cinquantaine de pages, donc je suis capable de le finir avant la fin de la semaine, même si il ne fait pas partie du challenge. Voilà, donc vous avez un peu mon programme de la journée, donc je pense que pour un update, on se retrouve demain, et je ne sais absolument pas si je vais faire des clips dans la journée, en tout cas ça m'étonnerait. Du coup, bah moi salut tout le monde, on est le samedi 18 août, il est passé 10h30, donc là je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée, etc. Si vous entendez du bruit, c'est normal puisque je ne suis pas chez moi, donc il y a des machines en route, la cuisine, etc. Donc ça fait du bruit, donc je m'en excuse par avance, mais ce clip va être assez court. Du coup, juste pour faire un petit update, j'ai continué Marquise hier soir, j'ai très peu lu, donc finalement je ne l'ai pas terminé. Il me reste 70 pages que j'ai bien l'intention de terminer aujourd'hui. Et pour le moment, j'adore cette lecture, c'est vraiment super sympa, c'est fun, le personnage de Charlotte est vraiment super sympa à suivre. J'adore l'écriture, très sarcastique, avec beaucoup d'humour, ça change et c'est très travaillé. Enfin voilà, c'est une lecture que j'aime beaucoup. J'ai hâte de terminer pour voir ce que va donner la fin finalement. Et du coup après, je pense, j'espère ce soir pouvoir commencer le tome 9 des Colombes du Roi Soleil, donc de Anne-Marie Despladuc, et le finir demain. Demain vous aurez très peu d'updates dans le sens où je passe une bonne partie de ma journée avec ma famille côté paternel, donc pour un pique-nique, etc. Donc c'est un peu compliqué de vous filmer à ce moment-là, déjà de bouquiner, mais du coup j'aurais pas beaucoup lu, donc je vais pas vous filmer. Donc je pense que vous aurez un update dimanche soir après celui-ci, et pas sûr qu'il y ait énormément de clips du coup entre les deux, je m'en excuse, mais c'est un peu complexe quand on n'est pas chez soi de faire des clips, de poser la caméra sans qu'il y ait de bruit, etc. Voilà, donc j'espère quand même que ce vlog vous plaît pour le moment. Et du coup, bah moi je vous retrouve demain soir, je pense, parce que cet après-midi je travaille aussi. Je vous retrouve, on est le dimanche 19 août, donc le dernier jour du challenge. Il est très tard dans la journée, c'est-à-dire qu'il est bientôt 21h. J'ai passé la journée en famille, avec pique-nique, jeux, etc. Donc du coup j'ai extrêmement peu lu aujourd'hui. Donc hier j'ai fini Marquise de Joanne Richoux, qui a été vraiment une excellente lecture, qui est pas passée loin du coup de cœur. Du coup bah, j'ai hâte de vous en parler en update lecture et de vous le recommander, parce que c'était vraiment une super lecture. Donc je l'ai fini l'après-midi durant mon travail, durant ma pause, voilà, et le soir du coup j'ai fini How to Become a Straight A Student de Cal Newport, donc qui est ici un livre de développement personnel sur les études. Je vous avais dit que j'essaierais de le finir cette semaine, même s'il ne fait pas partie du challenge, ça me fait quand même 4 livres lus et terminés cette semaine. Et du coup hier soir j'ai commencé assez tard finalement le tome 9 des Colombes du Roi Soleil, Olympe comédienne d'Anne-Marie Despladuc, aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc ça c'est un roman, une saga que je suis depuis que je suis au collège. Voilà, donc même fin primaire, enfin ça fait vraiment un sacré bout de temps. J'ai arrêté pendant un moment de les lire et là je me suis dit c'est le moment de finir les sagas, et vu que c'est quelque chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui de finir mes sagas, je continue celle-ci avec le tome 9. Là j'en ai lu 120 pages, pour l'instant c'est plutôt sympa, ça se lit très vite, il me reste 170 pages. Donc sincèrement, il faut que je me bouge. Voilà, il faut que je me bouge pour ce soir, pour les lire. Donc je vais lire le maximum ce soir. Là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de manger. Et ensuite, je peux bouquiner à fond. Donc dès que le repas sera prêt, j'arrête ma lecture et je la reprends ce soir. Je pense que je ne vous reprendrai pas ce soir, dans le sens où quand j'aurai fini je pense qu'il sera tard, donc vers minuit, et que ma famille dormira vu que je ne suis pas seule, et du coup bah, je ne peux pas allumer la caméra et vous parler. Du coup demain matin je vous fais un bilan de mon vlog du French Read Autumn, et j'essaye de vous le publier soit lundi soit mardi en fonction du temps que ça va prendre pour moi de le monter et de l'éditer sur YouTube. Voilà, donc pour le moment, même si je n'ai pas encore fini mon quatrième livre,
je vais essayer de faire mon maximum pour le finir. Mais ça a été une très bonne semaine de lecture, même si j'ai pas forcément eu des coups de cœur pour les bouquins que j'ai lus. J'ai beaucoup apprécié Les Bonnes Chunelles, alors j'ai moyennement aimé Nos Vies en Mille Morceaux, mais j'ai adoré Marquise. J'ai adoré, même s'il faisait pas partie du challenge, How to Become a Straight A Student, voilà. Et pour le moment, j'apprécie Les Colombes du Roi Soleil, donc je suis assez contente de ma semaine. Même si finalement j'ai pas énormément lu, j'aurais été capable de lire beaucoup plus, mais j'ai eu pas mal d'autres choses à faire entre les 3 vidéos que je vous ai publiées cette semaine. Je vous ai publié 2 ou 3 chroniques, voilà, donc je suis assez contente quand même de moi, voilà. Donc du coup je vous retrouve demain pour la suite et le bilan du vlog. Le lundi 20 août et je vous fais enfin le bilan du French Readathon. C'est un challenge remporté pour moi car j'ai bien fini Les Colombes du Roi Soleil hier soir, 5 minutes avant minuit, donc j'étais vraiment pas loin de me louper sur le challenge. Donc j'ai bien lu 4 livres plus un autre bouquin, donc j'ai lu tous ces bouquins en une semaine, donc je suis ravie parce que c'est pas dans mon habitude de lire autant, même si c'est pas des grosses bricasses, ça m'a fait vider ma palle quand même de 3 livres, ce qui est quand même juste génial. Donc je vais vous les représenter de manière assez brève avec les notes que je leur ai données, voilà. Et du coup bah je vous ferai évidemment un update lecture, donc vous les retrouverez dans une autre vidéo de manière beaucoup plus détaillée pour que le vlog soit pas trop long non plus, et du coup bah on commence tout de suite. Donc la première lecture que j'ai fait durant le French d'automne, il s'agit de Les Bonnes Chunelles, le tome 1 Allégeance d'Oxana Hope aux éditions Rebelle. Ici c'est un roman qui avait été sélectionné pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube, donc j'étais obligée de le lire avant septembre puisque j'en suis jury. Voilà, donc ça a été plutôt une bonne lecture. Voilà, donc du coup j'ai plutôt apprécié ce roman, je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai hâte de vous en parler dans une vidéo qui lui sera dédiée du coup vu qu'il fait partie du prix, mais ça a été une très bonne lecture pour commencer la semaine. Ensuite j'ai enchaîné avec le deuxième livre, avec Nos Vies en Mille Morceaux d'Ailey Lang aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est paru le 16 août, donc cette semaine de challenge. Donc vous avez sûrement retrouvé mon article sur mon blog et aussi sur le blog de Gallimard Jeunesse, donc On Lit Plus Fort. Et c'était plutôt intéressant, alors j'ai mis à ce roman la note de 3,5 sur 5 aussi. C'était sympa, il y a quand même quelques défauts qui m'ont gênée, mais j'ai plutôt apprécié ma lecture. Du coup, bah, je vous invite à aller voir ma chronique si ça vous intéresse. Sinon, vous retrouverez ce bouquin au mois d'août, ou peut-être plutôt septembre, en update lecture, pour avoir mon avis. Ensuite, j'ai enchaîné avec le troisième livre, qui est Marquise de Joanne Richoux aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Et cette fois-ci, ça a été une super lecture, une excellente lecture qui a frôlé le coup de cœur. Ici, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, pour faire une pause dans les livres du challenge, parce que le livre que je vais vous présenter ne fait pas partie du challenge, j'ai fini How to Become a Straight A Student de Cal Newport aux éditions Free Rivers Press. Ici, c'est un roman de développement personnel sur les études, sur la fac, avec des conseils pour mieux s'organiser, des conseils pour mieux réussir, et tout ça avec des témoignages d'élèves, et pas de professeurs experts, mais d'élèves qui ont de très bons résultats, ont eu de très bons résultats à la fac, étaient dans les meilleurs de leur promo, et voilà. Donc c'était plutôt intéressant, je vous en parle pas sur cette chaîne, pas sur la chaîne de lecture. Je vous reparlerai de ce bouquin dans une autre vidéo, mais je vous laisse un peu en suspense, je vous en reparlerai plutôt vers fin août, début septembre. Et enfin j'ai enchaîné avec le quatrième roman, que j'ai donc fini hier soir 5 minutes avant la fin du challenge, donc j'étais à ça de me louper. Il s'agit des Colombes du Roi Soleil, le tome 9, Olympe Comédienne d'Anne-Marie Desplazuc aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai pu continuer la saga de Anne-Marie Desplat-Duc. J'aime beaucoup cette petite saga. Alors c'est vrai que j'ai préféré les premiers tomes. Ce tome 9 était quand même meilleur que le tome 8 qui m'avait profondément déçu, mais celui-ci était meilleur. Alors je lui ai mis un 3,5 sur 5. C'était sympa. Après c'est pas la lecture du siècle, mais pour de la jeunesse c'est toujours aussi cool. J'ai adoré toutes les références de théâtre à l'intérieur. C'était super sympa. Du coup bah, je vous recommande toujours autant cette série si vous aimez l'historique, vous aimez un peu l'aventure, des destins différents à chaque tome. C'était super intéressant, voilà. Donc j'ai bien apprécié ce tome 9 et il me reste donc plus que 5 tomes avant de finir la saga pour le moment. Du coup bah il faut que je continue.
Voilà tout le monde, donc ce vlog est à présent terminé. Donc comme vous l'avez vu, j'ai remporté le challenge. Je suis ravie d'avoir fait cette semaine de challenge. J'aime toujours autant le feng shui d'automne. Donc je remercie Adrien, si je ne me trompe pas, de la chaîne Rondoudou Isapi d'avoir encore une fois organisé seul cette fois-ci le challenge. Ça a été vraiment une super réussite. J'ai adoré le faire. Ça m'a permis voilà, de vider pas mal de livres de ma palle. Donc 3 en l'occurrence, et de lire un service press. Donc c'était top. Du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!